avec les petits disques qu'on nous ramène. Il faut trouver dans le grand dessin toutes les choses, ou plusieurs choses, qui utilisent de l'électricité. Pour allumer une ampoule, conduire un train ou utiliser un ordinateur, l'électricité est tellement présente dans notre quotidien que les enfants auraient tendance à en voir un petit peu trop partout. Une éolienne, ça a besoin d'électricité. Oui, mais non, Stéphanie, non. C'est un produit d'électricité, c'est pas pareil. Oui. Mais l'électricité, au fait, qu'est-ce que c'est ? On ne l'explique pas, on expérimente. Ils peuvent toucher, ils peuvent expérimenter. Donc forcément, c'est très intéressant. Et après, c'est aussi intéressant de le revoir en classe. Nous, on a emprunté une mallette après pour pouvoir continuer exploiter après l'exposition. Faire simple, quitte à faire rire, ici, on apprend mieux quand on essaie soi-même. Les domaines scientifiques sont de plus en plus complexes. Donc c'est difficile de tout appréhender, bien entendu. Et même si on l'utilise sans savoir véritablement comment ça marche. Ils vont pouvoir un petit peu mieux comprendre, échanger et se construire dans leur esprit, se construire une véritable réalité. Et si pédaler, ça suffit pour produire de l'électricité, pas toujours besoin d'être un génie en classe pour entrer un jour peut-être dans l'histoire des sciences. On apprend que James Watt n'aimait pas trop l'école.